Je m'appelle Ibrahima Faye, professeur à l'université Aliou Ndiop de Bambey. Je suis le vice-recteur chargé des études. Je suis venu pour participer au biennale organisé dans le cadre du projet NLAGA, Non-Linear Analysis, Geometry and Application. Une biennale, pour moi d'abord, c'est des échanges entre mathématiciens. C'est un moyen quand même de regrouper les mathématiciens au niveau national et au niveau international. Et je pense que nous l'avons bien commencé avec le professeur Diarrasek qui a eu l'idée, dans le cadre de son projet, d'organiser ce type de biennale qui est pour moi un espace d'échange entre scientifiques et plus particulièrement entre mathématiciens travaillant autour des plusieurs questions mathématiques du monde. Je vais exposer une modélisation des équations de transport qui a pour application le transport de sable à proximité des côtes dans les zones soumises à la marée. Je pourrais dire parfait. Du point de vue de l'accueil, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes. Les organisateurs ont bien communiqué avec nous bien avant même notre arrivée. Du coup, lorsque nous sommes arrivés, on était déjà dans le bain. C'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup tergiversé. Nous avons quand même bien commencé les travaux depuis ce matin. Moi, je fais au fait de l'analyse numérique en passant par la théorie des EDP, la modélisation et l'optimisation de formes topologiques. C'est des thématiques plutôt transversales en passant par les biomathématiques, l'analyse numérique, la théorie des EDP et la modélisation aussi des phénomènes. Donc c'est en général des thématiques qui sont transversales. D'un autre côté aussi, on parle un peu de la géométrie, des mathématiques fondamentales. Là aussi c'est intéressant. Mais ce qui est le plus frappant, il y a toujours des sessions qui nous regroupent en tant que mathématiciens.